Bienvenue sur JLC Agence des Voyages. Si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, je vous remercie parce que vous m'avez aidé à partager mes vidéos dans différents groupes de Facebook. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle vidéo chaque semaine. Donc si vous avez besoin d'acheter, n'est-ce pas, un billet d'avion, vous avez besoin de faire une réservation d'hôtel, vous avez besoin d'acheter une assurance des voyages, donc vous pouvez me contacter, ok, à travers mon numéro ou à travers mon site web. Vous pouvez visiter mon site web qui est www.123triponline.com. ok, free, ok, w.123triponline.com. donc vous êtes capable de visiter le site web, non, sous besoin de billets acheter pour acheter billets ou bientôt qu'on va entrer en contact avec nous, ok. Et si vous avez besoin de faire réservation hôtel tout, pas négliger contacter nous, nous disponibles et disposés pour nous capable aider. Donc nous avons développé différents types de vidéos, vidéos sur l'immigration, vidéos qui viennent avec comment pour nous faire demande visa, donc différents types de vidéos. Donc si vous avez besoin de billets pour sortir Saint-Domingue pour venir au Brésil, ok, pas négliger contacter nous, ok. Nous avons billets goal, ok, non, pour moi, disons, pour moi, juin, ok, en promotion, ok, vous capable d'entrer en contact avec nous, ok, nous avons une promotion pour goal, ok, et nous avons une promotion pour goal parce que c'est goal qui sortit Saint-Domingue pour entrer São Paulo direct, donc nous avons un ticket ça à bon tarif. Pas négliger d'entrer en contact avec JLC et sous besoin de billets pour sortir Saint-Domingue pour aller au Mexique, billets pour sortir Chili pour aller au Mexique, li pas l'autre que JLC ou bien JLC Agence des Voyages. Donc nous allons commencer une série de vidéos. Nous sommes capables de dire jeudi pour nous montrer ou même cap vivre. Ok, Brésil maintenant principalement et vidéo ça les concernés haïtiens cap vivre au Brésil. Ok, donc c'est nous mettez précision. Vidéo ça les concernés haïtiens cap vivre au Brésil et les concernés tout haïtiens qui gagnent plein tout pour venir au Brésil. Ok. Donc nous allons montrer disons comment on est capable de faire renouveler, ok, passeport haïtien, ok, passeport haïtien, ok. Nous allons voir comment soit du Brésil, ok, comment pour faire sous table de passeport qui expiré ou besoin renouveler. Donc il y a tout le monde qui compte comment processus ça et comment pour le faire. Nous allons voir ça jeudi, la vidéo ça li, c'est pour ça même n'a fait vidéo ça, ok. Donc, le passeport haïtien est un document international d'identité qui prouve la nationalité dans le pays de naissance ou bien à l'étranger. Ok? C'est un document international d'identité qui prouve nationalité dans le pays qu'on a fait là. Ok? Ou bien à l'étranger. Ok? Mais bien que nous connaissons, le passeport haïtien, on a dit la paix des plumes. Ok? On a dit en quelque sorte. Même dit le passeport haïtien, la paix des plumes, on veut dire que le passeport haïtien, de jour en jour, l'a dégradé. Le conseil des pays haïtiens qu'on a sans visa, donc de commencer à mettre exigence pour visa. Nous sommes capables maintenant devant nous là, donc haïtiens qu'on a les Belize, ok? Eh bien, Belize qu'on a amendé visa pour haïtiens, ok? Amendé visa, si vous n'avez pas de visa, qu'on n'est pas capable d'entrer au Belize. J'haïssais qu'on entre Belize, passer Belize pour aller de l'autre côté. L'autre côté qu'on est, c'est là haïtien pas à l'arrêter Belize. C'est passé haïtien de passer Belize. Mais le fait que les haïtiens utilisent comme Belize ou haïtiens utilisent comme un moyen, ok, le passé, la Kaili, maintenant qu'on a demandé visa. Ok, le passeport haïtien de jour en jour là, perdu plus. Donc, on dit passeport, le passeport est un document international, d'identité qui prouve la nationalité dans le pays de naissance ou bien à l'étranger. Ça, c'est définition passeport. Ok? Définition passeport. C'est pas passeport haïtien, c'est pas passeport haïtien non défini, mais nous définissons passeport dans le sens là. Ok? Nous disons document international d'identité qui prouve nationalité dans le pays de naissance ou bien dans le pays à l'étranger. Ok? Maintenant, nous allons voir comment un haïtien qui t'a voulu renouveler le passeport. Ok? Première étape. Ok, première étape, envoyer un email. Envoyer un email à l'ambassade d'Haïti au Brésil. Donc on a l'ambassade d'Haïti, il localise le Brésil. Ok, donc on parle de l'ambassade d'Haïti sans barreau. Tout l'autre pays, tout l'autre pays, il y a une ambassade dans tout, presque dans tout État brésilien. Okay? Alors, c'est pas dans tout État, mais presque dans tout État. Toute l'autre ambassade, ok, ambassade de France, ambassade de Belgique. OK, ambassade Espagne, ambassade Portugal, donc yo gen consulat yo dans différents états dans Brésil. Là tout go pays. Yo gen consulat dans différents états Brésil, mais Haïti seulement dans ambassade, seulement dans Dakadi, Brasilia. OK. On est capable de dire ambassade Haïti li localiser et gen haïtien en pile haïtien São Paulo, en pile haïtien Santa Catalina, et ben Haïti donc yo pas travail. Yo té ka faire créer plus, mettre plus ambassade dans différents états yo. Pour haïtien des fois c'est pas déplacer pour le déplacer à Brasilia. Pour le go bagay bon, il ta de Caraïbes côté. Bon, nous connaissons Haïti, nous connaissons pays. OK, maintenant nous dit envoyer un email à l'ambassade d'Haïti au Brésil. Mais email mais email là, OK, qui c'est consulaire, OK, à commercial ambassade haitibrésil.org. Mais email là, OK, mais côté pour vous email. Donc, afin de demander l'envoi des formulaires pour l'émission ou le renouvellement de votre passeport. Ça veut dire si vous avez 18 ans, qui a besoin de faire passeport, OK, qui n'a pas de passeport même, OK. Ou même tout ce paquet de passeport même, parce que les gens qui viennent de Brésil, c'est pas un visa et de venir, ok, qui paquet de passeport même, ok, sous besoin de faire passeport de Brésil renouvelé, et on va écrire dans l'email ça, première étape là, on va envoyer un email à pour dire que donc on va vivre tel côté Brésil, donc on a un projet pour faire, on est capable de dire pour faire passeport, maintenant, on écrit, on envoie un email ça, mais nous allons voir quelle information de mettre dans l'email. Je dis dans l'email là, important. Vous devez indiquer adresse ou avec nom complet. Donc, email ça va vous aller. Qui ça vous mettre dans l'email là? Vous devez, vous êtes capable de dire, mettez adresse côté où vous vivez dans le Brésil là, dans l'email là. Et puis, vous devez mettre nom complet dans l'email là. Jean non écrit dans le passeport. L'autre bagarre encore, deuxième bagarre, la demande peut être écrite, n'est-ce pas, en portugais, en français ou en créole. Ça veut dire demande là ou qu'à écrire en portugais ou bien écrire en français ou bien écrire en créole. Donc on libre pour écrire dans l'une dans trois langues ça. C'est l'ambassade là qui dit ça. La première étape là, on va envoyer un email aller. On va email là, ok, on va regarder l'email là sur l'écran. On va envoyer l'email là aller pour dire que ça y est. Ok, on doit vivre tel côté, le gars bien sûr, mais comment on est. Donc, vous avez fait passeport, vous avez passeport. Vous pouvez faire ça en portugais, vous pouvez faire en français, vous pouvez faire en créole. OK. Maintenant, ça c'est la première étape. Maintenant, nous allons continuer. OK. Nous allons voir. OK. Ça c'est la première étape. Maintenant, étape 2. OK. Étape 2. Deuxième étape, payer les frais. Nous finissons avec la première étape. Vous voyez comment c'est simple pour faire passeport. Je me dis comment c'est simple, comme si le processus là. C'est qu'on est pour qu'on ça pour faire. En plus, le bagage, il n'y a pas faire des fois. C'est qu'on est, il n'y a pas qu'on est qui ça pour nous faire. Il n'y a pas qu'on est comment pour nous faire. Il n'y a pas qu'on est qui ça pour nous faire. Il n'y a pas qu'on est. Parce que chaque bagage est un principe. Il faut qu'on est qui gens pour faire. Vous comprenez? Et en plus, là, ici, il n'y a pas faire vidéo. Pour montrer haïtien comment pour foncer des bagages. OK? Pour haïtien petit gens égoïste. Donc on dit étape 2. Maintenant, pendant ma faire vidéo ça, moi pas faire passeport. OK? Tout dit ça dans la vidéo. Pas faire passeport haïtien. Ça veut dire moun pas besoin contacter pour dire soit on voyer comme bon moi pour me faire passeport. Non. Donc pas bail service ça dans business. On fait vidéo pour nous montrer comment on peut faire ça, mais nous pas faire passeport. OK? Étape 2. Payer les frais. Maintenant, nous allons voir ensemble. Frais ça, vous allez payer. On regarde combien de copies. Il est bon pour ta compte combien de copies. C'est important. Hein? Payer les frais. On a regardé combien de copies. OK. Payer les frais. On a regardé combien de copies. OK. Il dit les frais d'émission ou bien renouvellement des passeports sont de $120 américains et doivent être payés en réal, en réais, sur le compte de l'ambassade d'Haïti au Brésil. Maintenant, frais pour émettre ou bien pour renouveler le passeport, c'est 120 $ américains. Ça veut dire il fait en dollars. OK, ouais, ça veut dire Haïti c'est good lié. Vous pas mettre en good, vous mettez en dollars. Ça veut dire tout autant dollars à varier, c'est comme ça pour le passeport à la montée. Vous pas mettre encore haïtien non, vous mettez en dollars. Ça veut dire même pays non, donc ça veut dire c'est dollars. Ouais, vous mettez en dollars. Pour qu'ils se mettent en dollars, tout autant dollars fait ça la varier. C'est comme ça, on vient dépenser plus qu'on peut faire. Ça fait en dollars. Ça veut dire 120 $ ça ou de payer en réel pour qui ça? Suivant taux du jour, on doit payer en fonction des taux du jour. OK? Sous compte ambassade d'Haïti, on va déposer comme ça. On va aller dans le banque, on va déposer comme ça. Il y a un composant qui dit que vous fait dépôt et on va qu'un composant ça. Vous voyez, vous voyez documents aller, vous voyez qu'on peut faire ça. Mais nous dit pour déposer sous compte ambassade d'Haïti qui est obligé. Maintenant, Libou pour ta connaître, avant ça, je dis les frais d'expédition du nouveau passeport, par CEDEX, sont des 80 $. Maintenant, non seulement on va faire dépôt 120 $, OK, mais il est clair sur ça, OK? Il dit gon frais qui c'est 80 $, qui c'est 80 $ pour envoyer passeport ba. Et doivent être payés en reais sur le compte de l'ambassade d'Haïti au Brésil. Ou a déposer 80 $ ça plus 120 $ ça pour passeport. 80 $ ça c'est pour envoyer passeport ba au Porto hier. OK? Maintenant, il dit compte da ambassade de Haïti au Brésil. Côté lié, il dit on va déposer comme ça sur le Banco do Brasil. Banco do Brasil, mais agence, OK, agencia. C'est 1606-3 compta, c'est compta corrente 68.694-8. Donc ça veut dire mes comptes pour déposer cobla. Maintenant, ça c'est deuxième étape là. Donc jeudi à nous terminer avec deuxième étape là, parce que le temps nous finit. Ou même qui t'a suivi, qui peut quoi abonner avec Chanel ça, à l'abonner. OK? À l'abonner avec Chanel ça, parce que nous là pour nous capables de poser plus de vidéos. YouTube a pour elle, donc nous faisons un bon travail, et après commander des vidéos dans pas longtemps. Donc, nous pas camper sous vidéos nous avons commencé sous demande ou bien processus visa Canada, nous pas camper parce que quand plus de vidéos nous avons bien pour nous faire soulever. Mais nous trouvons l'important pour nous faire série de vidéos sur dit pour haïtiens, pour vivre au Brésil, qui besoin de faire passeport. C'est quelqu'un qui a l'élément de là, comment me faire mon nouveau passeport? Ah ben, je ne sais pas comment me faire. OK, nous avons fait recherche pour nous faire vidéo ça, pour que les fans ça, qui suivent de près et de loin. Donc maintenant, nous camper là, nous pensons qu'il reste étape encore, nous avons pour continuer la vidéo dans l'autre, dans la prochaine vidéo. On continue la vidéo. Donc, si vous êtes abonné, partagez, faites des commentaires, like. Et si vous pouvez abonner, vous abonnez maintenant pour recevoir une nouvelle vidéo chaque semaine. Donc, à la prochaine pour une prochaine vidéo.